妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale ou bonus, comme vous voulez, pour vous tenir au courant des deux nouvelles qui ont été annoncées lors du dimanche dernier dans le GA Festival 2021. La première bonne nouvelle est assez majeure, et que la saison 4 de Danmachi a enfin été annoncée. Et en plus de ça, nous avons pour date 2022. Bon, je vous l'accorde, ça risque d'être pas mal long à attendre, mais au moins on est sûr de l'avoir. Pour cette nouvelle là, je suis pas trop étonné. J'avais dit dans la vidéo sur le sujet que la suite serait très probablement annoncée quelques temps après cette vidéo, et finalement c'était bien le cas. Pour l'instant, nous avons un trailer qui est disponible, mais pas plus d'informations que ça. Mais bien sûr, je vous tiens au courant. Deuxième bonne nouvelle, qui est cette fois un peu plus étonnante, car finalement, la saison 2 de Goblin Slayer a été annoncée, ce dimanche également. Et pour le coup, je suis assez content que mon raisonnement ait eu du sens, car dans la vidéo sur le sujet, on avait parlé du dernier film sorti en date, et j'avais précisé que si les ventes s'avèrent bonnes, ça serait alors totalement possible qu'une saison 2 soit annoncée, car c'est souvent ce que font les séries pour rebooster leur popularité. Et franchement, je suis heureux, hâte de revoir notre héros défoncer des gobelins comme Jaja. Hélas, la confirmation de production est là, mais pour autant, nous n'avons pas de date précise sur sa sortie, mais vu comment elle a été annoncée, c'est très probable que la série fasse son apparition vers fin 2021 ou début 2022. Dans tous les cas, pour nous, je pense qu'il va simplement falloir s'armer de patience. Avec toutes ces nouvelles séries, il suffirait juste qu'ils annoncent Overlord et Yuru Senki pour que je sois content. Dans ce cas également, je vous tiendrai informé de tout, et dans les moindres détails. Donc c'était tout pour cette courte vidéo bonus, c'était juste histoire de vous prévenir de toute façon. Donc je vous souhaite un bon après-midi, et vous dis à dimanche 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.